L'amour vainqueur est un spectacle pour les enfants et pour les gens intelligents. Et puis c'est une opérette, c'est un spectacle chanté. Bon, c'est une opérette qui est faite avec peu d'instruments, mais c'est un spectacle qui est en grande partie chanté. Il s'inspire d'un conte de Grimm, comme d'ailleurs tous les textes que j'ai écrits pour la jeunesse, qui s'appelle Mademoiselle Malène. C'est une histoire assez troublante, très cruelle, dans laquelle une jeune femme, dans les contes de Grimm, le personnage central est souvent une jeune femme qui a lutté avec la violence du monde, est enfermée dans une tour, tout simplement parce qu'on ne lui permet pas d'aimer l'homme qu'elle aime. Elle est enfermée dans cette tour pendant 7 ans, sans rien savoir de ce qui se passe à l'extérieur du monde. Et quand elle arrive à s'échapper de cette tour, au bout de 7 ans, le monde qu'elle a connu est entièrement détruit, ravagé par la guerre. Et elle va errer parmi ces ruines pour retrouver celui qu'elle aime, peut-être. Dieu.